today, Ed. Sits in the back. Sits in the back. Sits in the back. Sits in the back. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Je veux bien que vous répondiez par chat si c'est le cas. Merci. Alors, on attend quelques secondes. Il y a un petit décalage normalement sur YouTube. Alors, on attend un peu. Bonjour. Vous nous voyez? Est-ce que vous voyez nos têtes? Bonjour. Oui, pour les deux. Ouais, c'est bon. Merci à tous de nous avoir rejoints une nouvelle fois ce midi pour un webinaire consacré donc à la facilitation graphique en la présence de Viviane Morel qui est à l'écran également avec moi. Je suis à Nantes, Viviane est à Nice. Donc, on est ravis de vous accueillir une nouvelle fois pour ce midi, pour ce live consacré donc encore une fois à la facilitation graphique. Je vais laisser Viviane évidemment présenter ça en long et en large. Moi, je serai sur le chat pour répondre à toutes vos questions, sachant qu'il y aura des petites phases d'interaction, d'interactivité que va vous proposer Viviane. Et Viviane, bah, je vais te laisser le micro, la caméra, l'écran, tout ce que tu veux. Ouh, voilà. Et moi, je coupe la mienne. Bonjour à tous. Ravi de retrouver certains que j'ai déjà eu en formation, que je connais. Voilà, je suis Viviane Morel. Je suis la facilitatrice graphique chez WorkLab. Je suis aussi la formatrice sur ce sujet-là. Et je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant cette heure pour découvrir les métaphores visuelles. Donc, je vous ai promis un petit voyage. On va découvrir tout ça. Alors,
Hop, moi je m'organise aussi pour partager mon écran. Voilà, normalement vous devez voir à l'écran ma présentation. Est-ce que c'est bon? En plein écran. Voilà, parfait. Alors, petit voyage au pays des métaphores visuelles, c'est aujourd'hui. Petit sondage d'abord. Dites-moi quel dessinateur vous pensez être et surtout pourquoi. Alors, moi, je suis plutôt Picasso parce que mes dessins... Voilà, dites-moi dans le chat qui vous êtes parmi ces quatre portraits. Donc, est-ce que vous êtes plutôt du style Léonard de Vinci avec ses pinceaux, Picasso, Cro-Magnon avec la craie dans la caverne ou bien la petite ou le petit Camille, 5 ans, avec les feutres qui dessine. Alors, dites-moi qui vous êtes. On va attendre les réponses, Viviane. Donc, on attend les réponses. Le support que je vais vous présenter, vous allez le recevoir à la fin de la présentation. David va vous l'envoyer. Et vous retrouverez aussi l'enregistrement de cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors, j'ai du Camille. J'ai beaucoup de Camille, 5 ans, Viviane. Beaucoup. Beaucoup de Camille. Ah oui, il y a un petit Cro-Magnon qui se balade. Pratiquement. Alors, c'est bien Cro-Magnon qui peignait dans les cavernes. Et vous savez pourquoi il peignait? Il peignait pour se faire comprendre et partager les plans de chasse pour aller se nourrir. Voilà. Donc, beaucoup de Camille. Eh ben, ça tombe très bien. Moi, j'ai besoin de Camille parce que Léonard de Vinci, c'est pas du tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors, au menu du jour, pour les gourmands, voici notre menu. Alors, vous venez de prendre l'apéritif, hein, c'était notre petite introduction pour savoir quel profil de dessinateur vous êtes. On va en entrée prendre un petit plat, c'est utiliser les couleurs et les pictos. Donc, vous allez voir que déjà, avec ces deux outils, vous allez pouvoir faire voyager les gens. En plat principal, je vous ai proposé pour ce midi de vous raconter des histoires avec les métaphores visuelles. C'est ce qui était promis dans tout le teasing que vous avez reçu et c'est pour ça que vous êtes là. Et en dessert, je vous offrirai une petite visite guidée de notre e-learning. Alors, on va démarrer. Je vous le disais, vous n'êtes pas Léonard de Vinci ni Botticelli. Ça tombe très bien parce que la facilitation graphique, ça n'est pas de l'art. Le but, ça n'est pas d'être réaliste, hein, de dessiner des corps parfaits, de dessiner des maisons tout à fait à l'échelle comme dans les dessins techniques. On est très très loin de tout ça. Et ce qu'on attend de chacune des personnes qui va pratiquer la facilitation graphique, c'est de savoir dessiner un rond, un carré, un triangle, une ligne, un point et de les combiner, vous allez voir. Et la facilitation graphique, c'est au service d'un groupe. Nous, vous savez, chez WorkLab, notre credo, c'est le collectif. Donc c'est avant tout travailler en groupe, donc c'est ce qu'on appelle la facilitation, c'est la bulle jaune que vous voyez sur la gauche. Il existe une technique particulière de capture graphique qui est dessinée dans la bulle rose à droite. La capture graphique, en fait, c'est quand vous allez avoir une personne qui écoute une conférence ou une réunion. Alors en ce moment, quand on a beaucoup de réunions en ligne, c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui va retranscrire graphiquement et partager à tout le monde les notes qui auront été prises, soit en temps réel, soit à la fin. Et la facilitation graphique, c'est l'usage du visuel de toutes ces techniques qu'on appelle le sketchnoting, le doodling, le scribing, pour mettre au service de la facilitation la puissance du visuel. Et donc, chez WorkLab, nous, on a bien compris tout ça, mais ça a mis du temps. Si vous cherchez dans les archives du média de WorkLab, vous allez retrouver des interviews autour de la facilitation graphique. C'était tout début, ce n'était pas encore intégré dans nos pratiques. Et maintenant, dans toutes nos facilitations, on essaye de mettre de plus en plus de visuels. On le faisait déjà de manière, je dirais, intuitive. Et maintenant, on essaye vraiment de le structurer. Donc, on peut vous accompagner sur les ateliers et séminaires avec la facilitation graphique et on peut aussi vous former, bien sûr. Alors, aujourd'hui, vos supports et livrables d'atelier, est-ce qu'ils ressemblent à ça? Alors, le panneau de gauche, hein, vous voyez, là, on a une prise de notes en temps réel. Alors, c'est pas toujours très lisible. Au milieu, là, c'était mes premiers agendas. Donc, ça, dans le e-learning, vous verrez comment on peut créer des agendas encore plus puissants que ça. Et puis, à droite, on a des canevas pour faire une rétrospective, par exemple. Alors, vous aimeriez que vos ateliers ressemblent plutôt maintenant à ça. Des participants engagés, debout devant un poster coloré, qui sont en train de prendre du plaisir à peupler cet arbre, vous voyez, en rajoutant des feuilles pour répondre à la question, à la thématique d'atelier.
Et bien, je vais vous montrer quelques pistes pour le faire. La première chose que vous pouvez faire, c'est utiliser les couleurs. Alors, pour vous, ça vous évoque quoi le rouge? La couleur rouge, elle évoque chez vous quelles émotions? Quels objets? Quelles actions? Vous pouvez répondre dans le chat, hein, me donner quelques pistes. Pour vous, le rouge, c'est quoi? Alors, chez certains, le rouge, ça va évoquer, par exemple, l'amour. Mais chez d'autres, le rouge, ça évoque les pompiers, hein, les signaux d'alerte. Donc, on a des mots, hein, des émotions qui vont être véhiculées par cette couleur. Si maintenant, je vous présente la couleur bleue. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque, le bleu? Alors, je regarde en même temps dans le chat, mais pour moi, c'est compliqué hein, parce que ça va très vite. Il y a deux chats, il y a un chat sur YouTube et un chat sur notre plateforme LearnyBox. On nous répond encore le caractère obligatoire, l'important, l'attention, l'action. Donc voilà, le bleu va amener un autre contexte par rapport au rouge. Et en fait, chaque couleur va amener sa propre signification, son propre contexte. Alors souvent, on va avoir deux grandes familles. On a les tons chauds, hein, le rouge, le orange, le rose. On va plutôt être dans les émotions d'amour, les notions aussi de priorité, l'alerte, le danger. Et puis les tons froids, on est plutôt dans de la réflexion, de l'autorité, de l'innovation, de la nature, hein, si on est sur du vert par exemple. Donc en fait, les couleurs, elles vont déjà pouvoir solliciter une évocation, en fait, tout un contexte par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Donc, si vous êtes en train d'animer un atelier avec des post-it, première chose que vous pouvez faire, c'est choisir la couleur de vos post-it en fonction du thème de travail. Par exemple, vous êtes en train de demander aux gens ce qu'ils ont aimé sur les 4 dernières semaines, et ben, vous pouvez utiliser des post-it roses. Par contre, si vous voulez essayer de voir quelles pourraient être des pistes d'innovation, on sera peut-être plutôt sur des couleurs type vert, qui est souvent utilisé dans ces contextes. Donc, on va donner du sens grâce aux couleurs. Autre possibilité, c'est utiliser des pictos. Alors, dans vos téléphones, vous avez plein d'emojis qui reprennent tous ces pictos de votre quotidien. Donc, c'est votre première bibliothèque. Prenez le temps maintenant de les regarder avec un autre œil parce que vous les utilisez sûrement. Mais regardez-les avec un œil neuf. Si je vous montre ce picto, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, vous pouvez répondre dans le chat ce que vous évoque ce picto. Donc, ce picto, il va représenter, donc, on a la mer, l'île, le palmier. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Alors, je n'ai pas encore moi de réponse. David, je ne sais pas si tu les vois. Ouais, je suis en train de regarder. Alors, les vacances, évidemment. Les vacances, souvent, ce picto représente les vacances. La solitude, l'eau. Beaucoup les vacances. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La tranquillité. La solitude. Donc ça nous fait penser à Tom Hanks, effectivement, tout seul sur son île. L'isolement, la solitude. Je vous présente un deuxième picto. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Donc là, même chose dans le chat, vous pouvez nous indiquer quels sont les mots qui vous viennent avec ce picto. Comme il y a un petit décalage avec... le chat et la diffusion. Alors, on est encore sur... Les vacances et l'île déserte, je vois, les trésors, la faim. Ah, les outils, le travail. Effectivement, ça évoque tout de suite les outils, le travail, la notion de boîte à outils vient beaucoup au-delà du bricolage. C'est effectivement le travail. Donc, vous voyez déjà, avec deux pictos, on a fait le test. Ça vous évoque déjà des choses. Pour ceux qui ont déjà suivi notre premier live qui était l'année dernière, hein, le live 3, je vous ai remis le lien, vous pourrez le retrouver, découvrir la facilitation graphique. On a travaillé toute cette bibliothèque de pictos à base de ronds, de carrés, de triangles, de lignes, de points. En fait, vous n'avez pas besoin de savoir plus que ça. Donc, Camille, 5 ans, c'est parfait, ça, elle sait le faire. Elle va être capable de redessiner un marteau pour pouvoir symboliser des outils, de dessiner une montagne en forme de deux triangles pour pouvoir représenter ce qu'elle a besoin de dire. En fait, on s'appuie sur un langage commun qui est simple. Ça, c'est vraiment notre vocabulaire de base. Une fois qu'on a la boîte à outils, donc des couleurs et des pictos, on va pouvoir aller plus loin. Mais attention,
Alerte au biais. Le premier biais, c'est notre culture. Donc là, vous avez vu une pancarte marquée alerte rouge. Donc pour vous, vous êtes tout de suite dans cette notion, je suis éveillée, je regarde, il y a un message important qui va passer. Parce que c'est notre culture. Mais si vous êtes en Inde, le rouge est en fait un symbole de pureté. Et c'est la couleur des robes de mariée, par exemple. Vous voyez, les contextes amènent pas du, enfin, les cultures n'amènent pas du tout les mêmes contextes d'usage pour les couleurs, par exemple. Donc pour les pictos, on a aussi ces problématiques qui peuvent apparaître. Deuxième biais, le contexte. Là, c'est un exercice que je fais faire en formation. Je demande aux gens de dessiner la performance. Et vous voyez que très rapidement, on a des grandes familles qui se dégagent. Ça peut être la performance sportive, avec un trophée, avec un coureur, par exemple, ou un podium. Une performance économique de l'entreprise. Et puis, la performance d'équipe pour atteindre un objectif. Donc, avec un même mot, on peut avoir différents contextes. Donc, le mot tout seul ne suffit pas et le dessin peut amener quelque chose de plus. L'obsolescence des pictos est aussi à prendre en compte. La disquette qu'on utilisait traditionnellement pour indiquer qu'on va sauvegarder un autre document, elle est en train de se transformer petit à petit avec une flèche qui monte vers le ciel. Alors imaginez, on est 25 ans en arrière, on ne sait pas ce que c'est que le fameux cloud, là où on va télécharger et stocker tous nos documents, ben on peut se demander ce que c'est que cette icône. Et puis inversement, les générations futures, quand ils vont voir le picto de disquette, ils vont pas trop savoir ce que c'est. Alors, je ne sais pas ce que vont devenir les icônes pour l'appareil photo et pour le téléphone. Voilà, plus ça va, plus le téléphone, ça ressemble à un rectangle, tout simple. Donc, on va voir ce qui va se passer ensuite. Quatrième biais, les contresens. Là, je vous ai mis un petit picto là, qui vient d'apparaître hein, à l'écran. Est-ce que ce picto, il veut dire « j'entends mal » ? Est-ce qu'il veut dire « j'écoute » ? Est-ce qu'il veut dire « j'ai mal aux dents » ? En fait, on ne sait pas très bien. On manque de contexte. Et donc, des fois, si on a juste un picto, on peut avoir des contresens. Je vous ai préparé un autre exemple aussi que j'ai trouvé dans les métaphores visuelles qu'on peut utiliser. On rentrera dans le détail tout à l'heure. C'est l'oignon. Alors, on se dit « ouais, je vais faire un atelier. On va peler les couches de l'oignon pour atteindre le cœur, l'essence même de ce qu'on étudie. » Oui, mais il y a certaines personnes, pour eux, l'oignon, bah, c'est quelque chose qui fait pleurer. Alors, ils vont se retrouver dans un état émotionnel qui n'est pas tout à fait celui que vous recherchiez. Donc là, il faut être assez vigilant. Donc, attention à ces quatre biais qui peuvent surgir. Alors, finalement, comment je fais pour que mes ateliers ressemblent à ça, Viviane ? Eh bien, je vais vous montrer quelques pistes. On va raconter des histoires. Et pour raconter des histoires, on va sortir des visuels. Et là, par exemple, je vous prends la métaphore de l'iceberg. C'est une métaphore qui va être utilisée, par exemple, pour faciliter la génération d'idées. Alors, certains vont peut-être reconnaître ce paperboard que j'ai utilisé en atelier. Il s'agissait de faire émerger, d'identifier des risques par rapport à un projet. Et donc, bien sûr, il y a toujours les risques classiques qu'on va voir. C'est ce qu'on voit pointer au-dessus de l'eau. Hein, c'est le haut de l'iceberg. Mais en bas, qu'est-ce qu'on a d'autre comme risque? Et alors, est-ce que vous pouvez me dire quels sont ces merveilleux risques qui vont faire échouer notre projet, ceux qui sont cachés sous le niveau de la mer? Voilà. Donc la métaphore visuelle, elle va aider à challenger et à faciliter la génération d'idées. Deuxième bénéfice de notre métaphore visuelle, c'est qu'elle va permettre de générer un fil rouge, une thématique de travail. Il y a un atelier qui s'appelle « Dessine-moi le chemin » qui est très utilisé et on va l'associer à cette métaphore soit de la montagne sur laquelle on va aller planter le drapeau. Le drapeau représente les objectifs d'un projet. Et les petits igloos ou les refuges montrent les étapes pour pouvoir atteindre la réussite de ce projet. Même chose avec le chemin vers le soleil. Le soleil représente les objectifs à atteindre et les petits panneaux sur la route, les étapes. On peut même rajouter, vous voyez, dans le même champ lexical, des petites pierres sur le chemin qui seront les obstacles. Donc, je vous ai mis un exemple d'un atelier que j'avais animé où on avait utilisé cette métaphore. Ce qui avait permis de faciliter la réflexion du groupe. Alors, autre bénéfice, c'est s'identifier à un schéma de pensée connu. Quand vous voyez un arbre, vous savez que cet arbre il est composé de racines. Et donc là, on va utiliser la métaphore comme c'est quoi les racines, c'est quoi les valeurs, par exemple, de notre entreprise, de notre projet, de notre organisation. La sève, elle va monter. Donc, c'est toute cette énergie interne, ça peut être nos ressources, nos compétences, qui va permettre de pouvoir récolter des fruits. Donc, quels sont ces fruits qu'on souhaite atteindre? Et puis, bah, si on arrose tout ça, c'est avec quoi? Quel est l'engrais qu'on va mettre dessus?
Et sur la métaphore de la fleur, on peut même rajouter, vous voyez, les pétales hein, qui tombent, ce sont toutes les choses qu'on doit lâcher, sur lesquelles on doit lâcher prise, qu'on doit abandonner pour pouvoir grandir et s'épanouir. Donc la métaphore de l'arbre et de la fleur est une métaphore qui est très souvent utilisée parce que on comprend tout de suite où on veut en venir et quelle est la symbolique de chacun des éléments. Un dernier bénéfice qui est vraiment très puissant quand vous êtes en train d'animer un atelier, c'est permettre de comprendre les consignes de votre atelier. Alors, si je vous montre cette grille que vous avez à l'écran, matrice des opportunités, force, menace, faiblesse, alias le SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats, dans le monde anglo-saxon. Alors, moi, j'ai fait cet exercice avec des étudiants. J'avais 10 groupes de 5 étudiants. Et je leur ai dit, voilà, vous connaissez cet outil, cette grille. Maintenant, je vais vous proposer une métaphore visuelle, qui est celle du bateau pirate, que certains d'entre vous connaissent, qu'on aime beaucoup chez WorkLab. Donc, tous dans le même bateau, on est dans ce bateau, c'est notre projet, c'est notre équipe, et on doit aller vers l'île, qui est notre trésor, qui est l'objectif qu'on souhaite atteindre. Et pour y aller, on a des vents favorables qui vont souffler, ce sont nos opportunités. On a les voiles qui sont reliées au bateau, qui sont nos forces internes. On a des ancres qui nous retiennent d'avancer, qui sont nos points de faiblesse internes à l'équipe. Et on a des requins qui rôdent autour, qui menacent en fait notre bateau. Et on retrouve la matrice SWOT. Et bien sur les 10 groupes d'étudiants, j'ai 3 groupes qui m'ont dit « Mais Viviane, c'est bon, on va pas redessiner ton bateau, nous on va faire les 4 cases comme d'habitude. » Et bien au bout des 30 minutes, ils n'arrivaient pas à remplir leurs cases alors que tous les autres groupes avaient déjà terminé. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de comprendre ce qu'on attend de nous quand on doit remplir un canevas de ce type plutôt que des 4 cases qui n'ont finalement pas de sens s'il n'y a pas de picto, s'il n'y a pas de dessin avec. Et la grande difficulté, par exemple, sur cet exercice, c'est de bien comprendre la différence entre une opportunité et une force. L'opportunité est un facteur extérieur sur lequel on n'a pas la main, c'est le vent, voilà, c'est le climat. Et la force, c'est vraiment lié à notre bateau, ce sont ces voiles qui sont avec nous et sur lesquelles on peut agir, c'est-à-dire qu'on peut modifier la force des voiles, la forme des voiles, par exemple, leur matière, etc. Donc voilà, c'est vraiment ultra puissant pour animer un atelier. Quand j'ai des grands groupes, je m'appuie énormément sur les métaphores visuelles pour faciliter la transmission de consignes, pour m'éviter de répéter les consignes, parce que tout le monde comprend, et ceux qui ne comprennent pas, on a toujours quelqu'un dans le groupe qui va réussir à expliquer à l'autre grâce à la métaphore visuelle. Donc on gagne beaucoup de temps et on se fatigue beaucoup moins quand on anime. Alors, petit exercice, maintenant qu'on a découvert les métaphores visuelles, je vous propose de me dire ce que vous voyez derrière ces métaphores. Donc là, je vous propose une première métaphore. Donc, vous avez une usine avec une flèche qui rentre, une flèche qui sort. Quels sont les processus de réflexion collective qu'on pourrait instrumenter avec cette métaphore? Sur quoi on pourrait travailler en équipe grâce à cette métaphore? Alors, David, voilà. Est-ce qu'on a toujours la réponse qui va apparaître dans le chat? Ouais, toujours un petit décalage de 20 secondes avec la diffusion YouTube. Donc, j'attends les réponses. Donc, qu'est-ce que vous voyez à l'écran et quel... Et on peut même utiliser le détail de la fumée, vous voyez, qui s'échappe de la tour de notre usine. Voilà. Quel principe illustre cette illustration? Alors, la grande différence hein, par rapport au picto qu'on a pu voir précédemment, c'est en fait ces deux flèches qui rentrent et qui sortent et qui vont amener tout de suite. Alors, j'ai quelques réponses. Hein. Efficacité de la production, supply chain, la productivité, les processus, l'input, l'output. Voilà, on est beaucoup dans l'idée de processus. Voilà, donc processus de transformation. Bien sûr le procédé de fabrication hein, dans une usine, mais surtout moi c'est beaucoup utilisé dans tout ce qui va être transformation d'organisation. On rentre avec un état, on est transformé dans un système qui est mis en place et on ressort. Donc on peut y envisager différentes séquences de travail. Qu'est-ce qu'on souhaite atteindre comme objectif à la sortie et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de l'usine même. Donc ça peut être 3 séquences d'atelier. Autre exemple que je vous propose, la palette du peintre. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette métaphore visuelle? On attend un petit peu, comme d'habitude. Donc, je suis encore sur les réponses précédentes. Je pense que tout le monde avait bien saisi l'illustration qui illustrait
l'idée de process. Pour celui-ci, alors les étapes. Les étapes. Transformer, fabriquer. Alors, la multi-compétence, je vois. Ouais. Alors, effectivement, moi, je l'utilise dans un contexte où je vais essayer de voir quelles sont les compétences, par exemple, d'une équipe qu'on va pouvoir identifier et associer pour créer de nouveaux services, de nouvelles prestations, par exemple. Hein, donc, dans la notion de diversité des compétences, ouais, de complémentarité aussi. Hein, vous voyez toutes ces différentes couleurs qui sont représentées soit par les hachures, les petits points ou les petits carrés. Ouais, on avait bien ces réponses-là, pluridisciplinarité, la diversité, ce que tu viens de dire, effectivement. Il y a aussi, bien sûr, la créativité. Hein, là, on reste dans le travail déjà plus du champ lexical de la peinture. Mais vraiment, dans la compétence RH, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Vous voyez, on peut partir assez loin. J'ai un autre exemple pour vous. Donc là, les réponses que je vous remets. Donc, perspective, compétence, diversité de profil, choix possible, créativité, angle de réflexion. C'est des réponses que j'ai eues, moi, quand on fait nos exercices en formation. Alors, ici, vous avez un avion, une tour de contrôle et la piste d'atterrissage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait instrumenter comme processus de réflexion collective grâce à cette métaphore? Attendons les réponses. Alors, la créativité ressortait beaucoup sur le précédent. Alors, je vois les vacances. Ouais. Le lead management, le pilotage. Le lead management, le pilotage, effectivement, la tour de contrôle apporte beaucoup à cette métaphore, hein, au-delà de l'avion, qui peut être déjà un outil pour embarquer les gens dans une métaphore avec quels sont les moteurs qui vont nous permettre d'avancer, quels sont les bagages qu'on embarque et qui nous pèsent éventuellement. Rajouter la tour de contrôle, ça va permettre d'amener la notion de pilotage de projet. Ça peut être aussi l'importance d'avoir des sponsors et donc qui vont être les sponsors de notre projet. Ça peut être aussi la mise en place d'un système de management. Ça peut être aussi le travail à distance, hein, puisqu'on n'est pas en contact direct. Je vois la notion d'interdépendance, de supervision. Donc, tout ça, ce sont des notions, effectivement, qui vont être véhiculées grâce à cette métaphore. Vous voyez, on est sur plusieurs pictos, hein, on n'a pas juste l'avion. On a l'avion, la tour de contrôle et la piste d'atterrissage qui peut être aussi l'objectif à atteindre. Alors, comment est-ce que vous allez créer maintenant, que vous avez vu quelques exemples, vos propres métaphores visuelles? Eh bien, il va falloir travailler ce qu'on appelle le storytelling. Comment vous allez raconter l'histoire? Et pour ça, vous allez utiliser quelque chose qui est en lien avec votre travail de groupe. Si vous amenez une métaphore qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, ben là, ça va être plus difficile. Donc, quand vous allez travailler avec un groupe ou avec votre équipe, vous allez essayer de faire appel à ce qui est important pour eux. S'il y a, par exemple, vous travaillez dans les énergies renouvelables, de travailler avec la métaphore de l'éolienne. Là, j'avais fait un exercice avec un groupe. Ils ont fait une première séquence de travail de brainstorming que vous voyez sur la gauche. Il y a deux grands axes qui sont ressortis, c'est le client et l'entreprise. Et leur est venu à l'idée, l'illustration suivante, c'est d'avoir l'éléphant qui représente l'entreprise. Hein, on dit c'est un vieux mammouth qui ne bouge pas. Et puis le client qui est roi, qui est sur cet éléphant. L'objectif à travers ce poster, c'était de partager en fait quelle était l'importance de la qualité au sein d'une entreprise. Donc c'est pour ça qu'on retrouve l'éléphant qui pèse 9001 kilos. Vous pouvez créer votre propre métaphore. Là, on travaille avec... on a un squelette qui s'appelle Bernadette. Et ça, c'est un groupe qui a imaginé cette proposition de réflexion en travaillant, en fait, sur la métaphore du corps humain, en prenant, par exemple, le cœur pour les valeurs, mais aussi le cerveau pour les idées, qui sont quand même des choses qui sont déjà de manière séparée. Hein, si on prend un picto de cerveau, effectivement, ça va représenter la créativité, les idées. Donc, on a développé cette métaphore. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est les différentes tailles de zones. Par exemple, l'objectif était de recueillir un maximum d'idées pour demain. Donc, la case est plus grande. Il faut toujours adapter aussi votre support. Si vous mettez des toutes petites cases, les gens vont être moins productifs. Donc, on va avoir notre métaphore visuelle qui va être adaptée en fonction de la quantité d'informations qu'on veut récolter. Les valeurs, en général, il y en a deux ou trois, voilà, et on va mettre juste quelques valeurs dans cette case-là.
Très important, et on l'a vu, la puissance de la couleur, la puissance évocatrice de la couleur, qui va permettre d'introduire un sens. Et là, on a un travail avec la métaphore de l'arbre, vous voyez. On a les racines. Alors, la racine, c'est plutôt marron, mais il n'y a pas de post-it marron, donc on a pris du jaune. Mais surtout, on a ces feuilles, qui sont toutes les idées qu'on a émises, qui sont en vert. On utilise la couleur verte des post-it. Et puis, on doit arroser pour faire pousser tout ça. Et donc, on a nos petits post-it bleus. Alors, des fois, j'ai des post-it avec des formes spéciales. Là, vous voyez les post-it en forme de gouttes d'eau. Mais quand on n'en a pas assez, quand on n'a pas les budgets pour aller se payer des post-it de forme spéciale, eh ben, on peut utiliser la couleur comme étant déjà un impact pour embarquer les gens dans une métaphore visuelle. Il faut aussi indiquer un sens de lecture, parce que sinon les gens ne savent pas comment il faut remplir le support. Là, on a un document qu'on va remplir en 4 étapes. On part du bas et on monte dans cette tour, voyez, à travers l'ascenseur. On va remplir, en fait, c'était une série de 5 ateliers pour pouvoir fédérer une communauté. Donc là, c'était un exercice. Donc, on retrouve les étapes numérotées avec la flèche qui nous montre la progression pour remplir les différents éléments. Vous allez travailler avec une métaphore et c'est vraiment sympa, c'est de pouvoir déployer le champ lexical et graphique, de pouvoir vraiment jouer avec tout ça pour pouvoir, pardon, j'ai la diapo qui a sauté, pour pouvoir vraiment embarquer les gens. Là, on avait fait un atelier pour un client, on avait fait la carte de l'île au trésor et en fait, on avait identifié les pictos, donc des petites pancartes sur la route qui nous permettent d'avancer comme étant les leviers. Donc là, on utilisait des post-it roses pour pouvoir peupler ce poster. Les difficultés qui sont les petites montagnes jaunes, donc sur des post-it jaunes. Et puis les ressources, on va pouvoir se reposer au coin à l'ombre d'un petit buisson vert qu'on utilisait donc les post-it de couleur verte. Voilà, donc ça c'est une métaphore, l'île au trésor avec le chemin. Vous voyez, on combine différentes choses, on développe le champ lexical. Après, dans les ateliers, bon, on peut aller jusqu'à même s'équiper avec des petits instruments. Alors, j'ai vu des choses, j'ai vu des t-shirts de marins et des bonnets de marins sur des ateliers, voilà, pour développer la métaphore. L'idée, c'est vraiment d'embarquer les gens pour raconter cette histoire et puis de passer un moment ludique pour rentrer dans ce qu'on appelle le flow, vraiment être dans cet état de bien-être qui va nous permettre de performer, parce qu'on va sortir un petit peu de la zone de confort, mais en même temps, on va y prendre du plaisir. Alors, allez, un petit exercice encore pour vous. Je vous propose de trouver une métaphore visuelle pour illustrer certaines réflexions qu'on va faire avec nos équipes. Par exemple, quand vous allez travailler vos objectifs d'équipe, quelle peut être la métaphore visuelle que vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous pourriez utiliser comme représentation? Alors, je vois dans le flux, là, à distance, comment fait-on? Quels outils? Quelle organisation? On a testé pas mal de choses, nous, récemment, là, avec Klaxoon, donc avec des outils comme Mural, comme Miro. On peut partager des supports, même avec un document partagé sur lequel tout le monde a accès en temps simultané. Vous pouvez juste mettre une image de fond, le bateau pirate, par exemple, et puis vous rajoutez des post-it dessus. Alors, est-ce qu'on a des réponses pour les objectifs d'équipe? Oui, je vois. La Lune, effectivement, la fusée qui va aller se diriger vers la Lune. La cible, l'île au trésor, effectivement. Donc, la cible, celle que j'ai choisie, mais il y en a plein d'autres. Hein. Je vois, il y a plein de propositions, là, l'île au trésor, les flèches, le soleil. Tout ça, c'est ce qui va permettre de représenter les objectifs d'équipe. Donc, vous dessinez une cible et déjà, les gens vont prendre plaisir à venir coller des post-it sur cette cible. Et puis, on peut même prioriser parce que ceux qui sont au centre vont être les objectifs prioritaires. Deuxième exemple, un processus d'embauche. Alors, quelle est la métaphore visuelle qu'on pourrait utiliser pour faire réfléchir un groupe sur un processus d'embauche? Donc, imaginez, vous êtes en train de préparer votre atelier, vous prenez votre grande feuille de paperboard et vous faites un dessin pour indiquer quel est le processus d'embauche. Alors, vous allez faire travailler tout ce groupe. Est-ce qu'on a déjà des réponses? Une chaise avec une table et 2 personnes en face à face. Oui, pourquoi pas, Anaïs? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme proposition? 2 mains qui se serrent, 1 escalier. Alors, je vous promets que le support n'a pas fuité. Effectivement, on a ce candidat
qui, avec sa petite valise, hein, ses compétences, quelles sont ses compétences, il va passer 2-3 étapes qui sont notre processus d'embauche pour, à la fin, être intégré à l'entreprise. Donc ça, c'est une métaphore qui permet de travailler. Vous voyez, toujours, on peut... Quelles sont les compétences dont on a besoin dans notre profil? Quel est le job à la fin, en haut des escaliers, qu'on souhaite atteindre? Quelles sont les 3 grandes étapes de notre processus? Un autre exemple, la transformation d'organisation. Alors, comment on pourrait outiller avec une métaphore visuelle la transformation d'organisation? Essayez de penser à quelque chose qui va nous faire rêver, hein, quelque chose de poétique peut-être, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer dans cette transformation d'organisation? Ah, je vois le labyrinthe dans la proposition pour le processus d'embauche. Alors, la transformation d'organisation, je vois les tubes à essai, la pâte à modeler, l'éclosion d'une chenille vers un papillon. Et ben, c'est celui-là que je vous ai proposé. C'est cette petite chenille. Quelle est cette chenille? Quels sont ses atouts, ses valeurs? Et en quoi est-ce qu'elle va se transformer? Qu'est-ce qu'elle va permettre de déployer en plus tout en gardant, hein, voyez, la forme de la chenille au départ, hein, qui est le cœur du papillon, pour montrer qu'on ne perd pas non plus ce qu'on était avant. Hein, donc ça peut être intéressant aussi. Alors, je vois la grenouille et son prince charmant. Alors, défi pour Stéphanie, c'est de m'envoyer sa grenouille, son prince charmant. Alors, les questions à se poser pour tirer un maximum de bénéfices d'une métaphore visuelle quand vous allez préparer votre atelier. Eh bien, c'est déjà de préparer un support visuel, que ça soit sur un paperboard, sur une grande feuille de papier. Hein, vous pouvez trouver ça facilement en papeterie. Si vous êtes à distance, vous pouvez préparer une image que vous allez mettre en fond, en fait, par exemple sur un document partagé, hein, que ce soit sur un Google Doc partagé, sur n'importe quel outil de travail à distance. Est-ce que vous avez bien présenté la métaphore? Parce qu'on a vu qu'il y avait des biais de compréhension, et la métaphore, elle peut être mal interprétée. Donc il faut absolument la clarifier avec le groupe pour s'assurer que tout le monde a bien compris. Est-ce que les participants visualisent le support pendant l'atelier? Si vous travaillez dans une salle sur un support type PowerPoint et que vous le cachez après, c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'on va afficher sur les murs vraiment en grand. Si vous travaillez à distance, pareil, donnez de l'importance au support qui va être partagé à distance. Et est-ce qu'il existe une cohérence entre l'utilisation des couleurs et le sens du travail fait? Dans les premières utilisations que je faisais des posters avec des métaphores et des couleurs, en fait, je n'ai pas de symbolique, hein, sur mes couleurs de post-it. Et puis, je me suis retrouvée avec des opportunités, hein, sur mon bateau pirate qui étaient en rouge, et puis avec des requins qui se retrouvaient en couleur jaune. Et en fait, je trouvais que c'était pas très puissant. Quand j'ai commencé à changer en fait mon code couleur et à avoir les requins qui sont en rouge et puis les vents, les opportunités qui étaient en bleu, ça faisait déjà plus de sens. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, ce que je vous propose, c'est de développer tout le champ lexical et l'univers graphique par rapport à votre contexte. Et s'il est adapté en plus au contexte dans lequel vous travaillez, c'est encore plus sympa. Donc là, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination. Alors, la clé du succès, c'est quoi? Comment est-ce qu'on arrive à avoir toutes ces idées? Alors déjà, moi, je vois que dans le chat, là, je vois toutes les idées qui sont vraiment riches. Après, si vous voulez vous entraîner à dessiner les trames, hein, les pictos, vous pouvez revoir le live numéro 3. Et puis surtout, vous pouvez vous entraîner. Moi, ce que je vous invite, c'est à regarder autour de vous sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de publicités, en fait, qui vont faire appel aux métaphores. Donc, quand vous en voyez une, ah tiens, celle-là, je l'enregistre, je la mets de côté, et puis régulièrement, vous essayez de les réutiliser pour rendre des concepts compréhensibles par tous. Donc, ça peut être quand vous expliquez quelque chose à vos enfants, quand vous essayez d'expliquer quelque chose à votre collègue. Et puis, ce qu'on vous propose aussi, nous, bien sûr, c'est de suivre notre e-learning de découverte de la facilitation graphique. Parce que dans ce e-learning qui est tout frais, j'ai encore les pinceaux qui sont frais, là. On vous explique comment faire tous ces dessins de base, étape par étape, et le mieux, c'est que je vous montre comment ça va se passer en se connectant directement dans l'interface, n'est-ce pas David? Alors,
à l'interface du e-learning. Donc, le e-learning, c'est un, comme Viviane va vous l'expliquer, c'est un e-learning qui permet effectivement de comprendre ce qu'est la facilitation graphique, ça c'est la première chose, mais surtout de voir concrètement comment peuvent être illustrés des lettrages, des personnages, des pictos, pour aboutir à la réalisation des supports que Viviane vous a montré tout au long de cette présentation. Donc là, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis, puisque vous êtes connecté à cette conférence, on va vous proposer une offre spéciale pour ce e-learning, un tarif beaucoup plus avantageux que celui qui va être proposé à l'ensemble des gens qui nous suivent. Et je vais envoyer un lien, donc vous pourrez le commander si vous le souhaitez. Alors, vous devez avoir à l'écran, David, tu me confirmes le e-learning. Oui, c'est bien, Viviane. Donc là, ça, c'est mon interface de e-learning. Hein, donc, je retrouve mes différents e-learning et notamment celui donc sur la facilitation graphique que j'ai enregistré en début d'année et qu'on vous met maintenant en accès. Donc, on va retrouver, je vais vous montrer quelques exemples, hein, les bases du sketchnoting. Donc, dans les bases du sketchnoting, on a par exemple les personnages. Ça, c'est la grande question qu'on me pose toujours. Mais Viviane, je ne sais pas dessiner, je suis Camille. Comment est-ce qu'on fait pour dessiner des personnages? Eh bien, dans cette vidéo, je vous explique justement comment on va pouvoir dessiner des personnages. Alors, je vais vous montrer un petit extrait. Voici le moment tant attendu et aussi souvent redouté où vous allez découvrir comment dessiner des personnages. On va avancer un petit peu dans la vidéo. On retrouve comment dessiner les émotions, par exemple. Pour représenter la colère, tracez deux yeux froncés, incurvés vers le centre et une bouche bien contrariée en zigzag. Et puis après, on va travailler sur... De dessiner votre personnage. Le corps. Niveau 1 du bonhomme, c'est le bonhomme fil de fer, celui que vous avez fait à l'école quand vous étiez petit. C'est un bonhomme, toujours avec une tête ronde. Donc là, vous voyez, on va décrypter toutes les formes de personnages et vous allez pouvoir identifier quel est celui qui vous convient. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de dessiner des personnages. Donc, il y a le bonhomme fil de fer qui marche très bien. Et puis, on peut aussi se retrouver très à l'aise. Je vois beaucoup de personnes qui découvrent, en fait, le bonhomme étoile, celui que vous avez tout à fait à droite, là, à l'écran, et qui me disent, mais en fait, ça, c'est, j'adore dessiner des personnages comme ça. Donc, voilà, ça, c'est une vidéo où on va décrypter comment on va pouvoir dessiner des personnages. À la fin, vous avez, à la fin de chaque séquence, une planche finale qui reprend les différents éléments. Si on va sur, par exemple, utiliser la facilitation graphique pour. Alors, hop, j'ai un petit bug d'affichage, voilà. Donc là, on va retrouver, en fait, dans quel cas on peut utiliser la facilitation graphique. Et bah là, on voit Sacha qui est en train de présenter un démarrage de séminaire et on a l'agenda qui est derrière lui de la session de travail. Donc, on va voir comment on peut dessiner un agenda, comment on peut poser le cadre de travail avec une équipe, par exemple, en créant un poster de règles. On a une petite séquence aussi sur, par exemple, les notes repositionnables. Donc, comment on va pouvoir utiliser, par exemple, ce que je vous disais hein, sur les couleurs des post-it, comment optimiser leur utilisation. On va retrouver raconter des histoires avec la métaphore visuelle. Et on va aller même jusqu'à créer la mémoire visuelle de votre atelier et clôturer un atelier. Donc, on va passer, en fait, par toutes les étapes. Hein, démarrer l'atelier, l'animer et enfin le clôturer. Alors, si je vous montre un petit exemple de... Hop, ces vidéos, concevoir par exemple engagé sur un agenda, on retrouve les bénéfices de la création d'un troisième agenda. Troisième type de poster qu'on peut réaliser, c'est un agenda. Ça va permettre d'engager le groupe collectivement sur... Donc, hop, et tout au long de la journée, ils vont pouvoir aussi... Donc un peu sur la même trame que ce que je vous ai montré, et puis à la fin, on retrouve aussi... En avant les pauses déjeuner et les pauses... On retrouve aussi toutes les astuces pour réaliser un bel agenda. Et là, je vous ai même mis une petite vidéo qu'on peut voir. Hein, c'est comment on va concevoir un agenda. Donc, plein de trucs et astuces hein, qui sont issus de nos pratiques de facilitation graphique que vous allez retrouver donc dans le e-learning. Là, c'est le menu principal. Est-ce que ça s'ouvre? Voilà, ici. Donc, il y a toutes ces séquences que vous allez retrouver. Là, aujourd'hui, midi, je vous ai donné un petit extrait que vous pourrez voir aussi dans le e-learning. On va plus loin, bien sûr, dans les différentes séquences que je vous propose dans le e-learning. Alors, David, est-ce qu'on se garde un petit peu de temps pour des questions-réponses?
Oui, on va faire ça. Alors, juste avant d'entamer la session de questions-réponses, bon, encore une fois, vous avez le lien de commande pour ceux qui sont connectés à l'interface non YouTube, le lien de commande pour ce e-learning. Pour les autres, ceux qui sont sur YouTube, vous aurez le lien de e-learning de la page de commande via le mail que je vais envoyer juste après la conférence. Alors, juste pour certains qui nous posaient la question, qui on est le Work Lab? C'est vrai qu'on n'a pas présenté le Work Lab au départ. Donc, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans le travail collaboratif. On fait des formations essentiellement donc sur le collaboratif, sur la facilitation graphique et également sur le design thinking. On travaille en ce moment, puisqu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus, sur les formations à distance et l'animation de réunions à distance. Donc, pour tout ce qui est tout ce que vous avez posé comme question autour de ça, il est certainement probable que nous réalisions des prochains webinaires sur ce sujet-là, puisqu'on est en plein dedans, et qu'on vous apporte tout un tas de contenu là-dessus. Donc, on réalise, comme vous voyez, également des e-learning, et puis on a un shop également en ligne qui permet de s'équiper en matériel d'animation de réunions et d'ateliers collaboratifs. Voilà pour qui nous sommes. Alors, j'ai eu... Oui, juste une petite remarque, parce que c'est des choses que j'ai vu passer là dans le chat. Les dessins, ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Je vois des grandes interrogations sur « mais il faut que je sache bien dessiner ». Je ne sais pas dessiner. Le but, ça n'est pas d'être dessinateur. Hein, ce n'est pas Léonard de Vinci. C'est le rond, le carré, le triangle. Je décompose tout ce que je vois autour de moi. Par exemple, un chat, c'est un rond avec deux petits triangles et puis les moustaches, c'est tout. On va vraiment tout redécomposer comme ça. Et au contraire, si vous rentrez dans trop de détails, vous allez perdre vos participants. Ce n'est pas le but. En fait, le but, c'est vraiment de servir un process de réflexion et pas d'avoir quelque chose qui soit beau à voir. D'accord ? Donc ça, c'est un point qui est très, très important et qui est rassurant aussi hein, pour vous si vous voulez le mettre en œuvre. Pour le prix du e-learning, donc là, on le propose effectivement à 47 euros TTC. En prix standard, il sera à 147 euros TTC. Et puis, on va faire une offre intermédiaire qui sera à 67 euros que je vais lancer vraisemblablement cet après-midi. Donc, pour vous qui suivez le e-learning, voilà, c'est une offre assez intéressante puisque c'est 47 au lieu de 147. Pour les questions, alors j'en avais quelques-unes, Viviane, si tu veux éventuellement y répondre. Il y avait une question sur le préformatage en fait des visuels et des cases. Tu sais qu'on peut faire quand, par exemple, on a une métaphore et puis on décline des cases. Il y avait une personne qui soulevait le risque de trop préformater en fait la réflexion et puis de brider en quelque sorte la créativité. Est-ce que tu as une réaction par rapport à cette question-là? Oui, alors justement, dans le e-learning, j'explique la différence entre tout ce qui va être Canva. Ce que j'appelle moi les Canva, ce sont toutes ces trames où on a des cases à remplir qui vont quand même être assez rigides et qui vont apporter un côté assez strict qu'on ne retrouve pas, par exemple, avec une métaphore visuelle comme celle du bateau, où les zones sont plus floues. Donc là, on a plus de place pour laisser libre en fait la multiplication des idées, soit la possibilité de faire se déplacer des post-it, de mettre des choses à cheval, enfin voilà. Donc dans le e-learning, j'explique bien cette différence entre des canevas qui vont être plus structurés, plus rigides avec des boîtes, et puis des structures qui vont être plus basées sur des images. Est-ce que tu peux nous dire aussi combien tu passes de temps, toi, à réaliser tes supports en moyenne? Parce que j'imagine que suivant les supports, le temps de réalisation est différent. Alors, il y a des supports que j'ai dans ma trousse, dans ma valise, hein, dans ma trousse à outils. Certains qu'on vous propose même sur notre site internet, hein, en freemium, on a des supports qu'on vous propose que vous pouvez télécharger. Donc, j'essaye de piocher, je dirais, dans 60-70% des cas, dans cette mallette. Et après, si j'ai des demandes bien particulières, je vais travailler sur développer une métaphore contextualisée. C'est un travail qui prend, le temps de la réflexion avec mon partenaire sur lequel je travaille sur l'atelier. Donc, ça peut être un client, ça peut être un collègue, ça peut être, voilà, pour moi. Donc, je dirais entre 1 et 2 heures. Et puis après, le temps de réalisation. Après, il est rapide une fois qu'on a l'idée. C'est reprendre vraiment le rond, le carré, le triangle pour dessiner une montagne, un soleil, voilà, des éléments graphiques très simples. Vraiment, il faut surtout pas partir dans trop de détails.
Alors, pour quelques questions sur le e-learning, le e-learning, en fait, c'est 1h45 en timing global. L'accès est illimité, donc c'est à vie. Une fois que vous avez acheté le e-learning et son accès, vous pouvez en bénéficier voilà, quand vous voulez et à la durée illimitée. Et donc, vous pouvez vous former à votre rythme. Ce sont des petites vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes maximum, donc qui peuvent se regarder en temps décousu. Est-ce que vous utilisez des paperboards en physique? Quelle application de facilitation graphique conseillez-vous? Quelle application de facilitation graphique conseillez-vous? Alors, j'ai pas compris. Il y a deux questions, non? Ouais, il y a deux questions. Utilisez-vous des paperboards en physique? Oui. Alors, quand j'anime en physique, j'utilise des paperboards de bonne qualité, de préférence. Vous allez voir, il y a vraiment deux grandes familles de paperboards. Il y a les feuilles qui sont toutes fines en papier recyclé. Et là, on passe tout de suite à travers. Voilà, c'est pas agréable, c'est pas réutilisable. Les post-it, même des fois, arrachent ce papier. Donc, je travaille plutôt avec des papiers qui ont un grammage un peu plus épais. Donc, ça, vous en trouvez. Hein, vous demandez à votre papetier ou à votre fournisseur habituel. D'avoir un papier avec un grammage un peu plus épais. Il y en a même qui se découpent en haut. Enfin, voilà. Moi, je travaille sur des papiers meilleurs, de meilleure qualité. Sinon, vous achetez un rouleau de papier pour traceur d'imprimante. Donc, c'est des rouleaux qui vont faire jusqu'à 15 mètres, même plus que 5 mètres, 50 mètres, je crois. Et ça coûte entre 15 et 20 euros, ce qui n'est pas très, très cher en soi. Et là, vous découpez à la taille que vous avez besoin. Donc, si vous voulez faire un travail d'équipe sur 3 ou 5 mètres, eh bien, vous pouvez le faire. Ou sinon, du papier craft, tout simplement. Comme vous trouvez ça au rayon papier cadeau. Des papiers craft et ça coûte 2 euros le rouleau. Voilà. Quelques questions sur les outils. Alors, les crayons d'une part et puis les outils numériques d'autre part. Est-ce que tu peux... Oui, alors sur les outils numériques, moi j'ai un iPad. Donc, j'utilise soit Sketches Pro qui est un outil qui est très simple, qui permet de faire du dessin. Alors, je vous écris ça. Hop, Sketches Pro. J'ai pas d'action chez eux, hein, mais c'est un outil qui fonctionne bien, qui est simple, voilà. Et sinon, sur les réseaux de facilitateurs graphiques, on utilise beaucoup des outils comme Procreate. Alors, on va parler, je vous mets le Procreate ou Adobe Draw, voilà. Si vous cherchez, vous allez trouver hein, ces différents outils. Il y en a qui sont payants, mais bon, on est en dessous de 10 euros hein, sur ces outils-là. Ça permet de gérer des calques, d'avoir de l'export en vectoriel, enfin voilà, des choses comme ça. Moi, j'ai travaillé très longtemps juste avec Sketches Pro. Je commence à utiliser d'autres outils comme Procreate, mais vraiment, c'est pas ce que je préfère parce que justement, on rentre dans un processus qui est plus lourd, qui est plus, qui nécessite, comment dire, vraiment de passer du temps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de passer du temps dans les détails. On n'est pas là pour faire, par exemple, de la composition graphique pour sortir un poster qui va être imprimé. 15 000 fois pour être distribué à travers toute la ville. On est vraiment sur des choses qui vont servir des fois même juste une fois. Donc, on me demandait tout à l'heure le temps de préparation. C'est aussi du temps qui est proportionnel au temps d'atelier. Si jamais j'ai un atelier qui va durer 30 minutes, je vais pas passer 2 heures à faire mon support. S'il y a un atelier sur lequel on va travailler pendant 2 heures, là, je vais passer un petit peu plus de temps, surtout si je sais que cette trame, je vais la réutiliser après plusieurs fois. Donc, voilà pour les outils. Pour les outils sur papier, c'est ça, les marqueurs? Ouais. Question. Alors moi j'ai ma trousse de feutre ici, pareil j'ai pas d'action chez eux, mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup ces stylos. Ce sont les stylos de la marque Neuland. Alors c'est un site qui est allemand. En fait ces stylos ils ont une particularité, c'est que c'est des stylos qui sont rechargeables. Il y a un petit trou ici, donc ça c'est bien. On peut changer aussi les mines. Et puis on a ces stylos qui sont, vous voyez ça écrit en noir. Mais ils sont orange parce que ce sont des stylos qui vont permettre de repasser en couleur par-dessus. Donc, quand je vais repasser en jaune au-dessus de mon noir, ça va pas baver. Vous voyez, quand vous commencez à superposer les couleurs, ça se mélange, ça fait un trou dans la feuille, c'est pas agréable. Et ben là, ce sont des stylos qui permettent de passer au-delà de ces problèmes. Sinon, après, vous avez aussi les stylos Proki qui permettent de faire ce travail pour les paperboards. Et puis, une petite astuce. Voilà, si vous voyez ici sur ma joue, voilà, on voit bien, c'est une pointe biseautée parce qu'elle va me permettre de réaliser différentes épaisseurs de traits. Voilà, donc tout ça, il faut l'expérimenter, il faut pratiquer. Donc prenez des feuilles et faites des traits, des ronds, des carrés, des triangles, dessinez des pictos, vous allez voir,
ça vous permet de travailler votre prise en main de stylo. Ok, alors encore une fois, donc le e-learning, découvrir la facilitation, c'est 1h45 de temps global en vidéo où Viviane vous montre très concrètement et de façon très pragmatique comment réaliser des personnages, des pictos, des flèches, des conteneurs, des structures. Donc c'est vraiment tout le vocabulaire et la grammaire visuelle nécessaire pour réaliser les métaphores visuelles qui vous ont été présentées dans ce webinaire. J'ai vu aussi passer pas mal de questions autour d'un e-learning sur le design thinking. Oui, on en a un, il n'est pas encore sorti officiellement, mais ça va arriver dans les 15 prochains jours. Et donc, pareil, c'est un e-learning qui dure 1h30 et qui permet de découvrir ce qu'est la démarche design thinking, donc une démarche d'innovation. Et dans ce e-learning, il y aura également des templates de pratiques à télécharger. À la question justement, pour rebondir sur moi-même, à la question de est-ce qu'on donne, on fournit des templates comme a pu le montrer Viviane dans le webinaire. Alors encore, pour l'instant, pas encore, mais on est en train d'y travailler notamment pour que ce soit intégré dans, par exemple, un logiciel comme Klaxoon et qui pourrait vous permettre, là pour le coup, et ça répond à d'autres questions, vous permettre d'animer des temps collaboratif à distance. Donc, on est en train d'y travailler. On met beaucoup d'énergie là-dessus et on espère pouvoir vous montrer des choses incessamment sous peu. Alors, y a-t-il d'autres questions? J'ai vu une question sur la restitution. Donc, la restitution à la fin de l'atelier, j'imagine, Lauriane. Alors, en fait, dans le e-learning, je vous explique justement comment pendant tout l'atelier, vous allez bien donner des consignes à vos participants pour utiliser vraiment le maximum du visuel, que ce soit la métaphore, l'utilisation des post-it, pour que justement votre restitution se prépare au fil de l'eau et qu'à la fin de l'atelier, vous ayez déjà une restitution qui soit exploitable. Donc là, il y a toute une séquence sur comment créer la mémoire visuelle de son atelier tout au long de l'atelier. Ouais, pour détailler un peu l'e-learning, hein, c'est en trois modules. Donc, un sur le vocabulaire et la grammaire visuelle. Et le troisième module est consacré exclusivement à comment je peux utiliser la facilitation graphique dans le cadre de mes ateliers. Donc, ça va être comment créer un agenda, ça va comment être posé le cadre de mon atelier, ça va être l'utilisation, comme on l'a vu, de métaphores visuelles, ça va être comment créer la mémoire visuelle de mon atelier, etc., etc. Donc, vraiment, du pratico-pratique, une fois que vous avez le bagage en fait technique, c'est-à-dire le dessin, c'est comment le transposer concrètement dans un atelier. Pour répondre également sur certaines questions concernant le e-learning, donc il n'y a pas encore d'évaluation des acquis de compétences sur le e-learning là, mais encore une fois, on est en train de travailler là-dessus puisque il y a des directives, notamment sur la formation à distance, qui viennent d'être passées, FOAD, et qui nous permettraient de pouvoir proposer des e-learning dans un cadre un peu plus global de parcours de formation et qui inclut justement ces aspects d'évaluation. Donc, on est en train d'y travailler. Ça va vraisemblablement arriver prochainement. Il y a une question sur les références, les ouvrages. Donc, dans le support que tu vas transmettre, David, je vous ai mis tous les liens vers vraiment mes livres favoris. Les références en facilitation graphique, que ça soit pour du sketchnoting ou pour l'animation avec des templates, des canevas. Le père fondateur de la facilitation graphique, c'est David Sibet. Donc, vous connaissez peut-être Visual Teams, Visual Meetings notamment. Ce sont deux ouvrages dans lesquels vous allez retrouver beaucoup, beaucoup de choses. Pour les gens qui sont sur YouTube, le chat est désactivé. C'est une erreur de paramétrage. Donc, encore une fois, vous recevrez le lien non seulement de la présentation de Viviane, mais également le lien vers la page de commande du e-learning, toujours au tarif évidemment préférentiel de 47 euros au lieu de 147. Donc ça, je vais l'envoyer vraisemblablement cet après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va laisser un peu de temps aux gens qui voudraient aller sur la page de commande de le faire et puis on va s'arrêter là. Je pense que... Et pour ceux qui me demandaient si j'allais jouer de la guitare la prochaine fois, je suis trop timide. Je ne vous ferai pas l'affront de jouer devant vous, mais même si ce serait avec un grand plaisir, mais je le garde pour moi. Mais vous êtes mignon, merci. Alors, nous, chez Oscar, on l'a déjà vu jouer. Hein. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions?
Alors, l'offre, elle est effectivement, c'est une bonne remarque. L'offre, elle sera valable jusqu'à ce soir. Donc, sachant que je vais envoyer le mail récap de ce webinaire dans l'après-midi et vous aurez jusqu'à ce soir pour bénéficier de cette offre. Sinon, dans le même temps, je vais l'envoyer à l'ensemble des gens qui nous suivent et donc ça passera à 67 € pour finalement à la fin en disposition sur notre site internet pour un prix de 147 €. Alors tac tac, non, le e-learning non n'est pas certifiant, ce n'est pas encore activé, mais encore une fois on est en train de travailler sur ces aspects là puisque des directives sont passées sur la formation à distance. C'est pas vieux, hein, ça date de vendredi. Donc, les références bibliographiques, encore une fois, elles sont indiquées dans le support de Viviane à la fin de son support. Vous aurez les références des ouvrages et vous aurez aussi des liens vers des communautés de pratique de facilitation graphique. Ça, vous pourrez échanger, partager, voir ce qui existe. Voilà. Et pour ceux qui voudraient ne pas rater les prochains lives du WorkLab, vous pouvez vous inscrire sur YouTube et activer la cloche de notification, comme ça vous recevrez directement la notification du live programmé et puis en cours. Ok, bien je crois que les gens ont faim. Moi aussi. Et nous aussi. Et puis on avait un beau menu, hein. Je pense que le dessert, jusqu'au dessert, là, on a bien mangé du visuel. Pour moi, c'était un plaisir de vous préparer ce webinaire. Je suis ravie de voir vos messages dans le chat, hein, de voir que ça vous donne des idées pour animer vos ateliers. N'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux là, avec notre nom, hashtag WorkLab ou @leworklab, vos pépites, ce que vous avez retenu ou ce que vous avez commencé à faire en croquis quand vous allez animer des ateliers. C'est vraiment en se ressourçant auprès des autres qu'on arrive à piocher des idées et à améliorer ses propres canevas d'atelier. Donc voilà, ce sera un plaisir. Merci à tous pour votre participation. Encore une fois, vous étiez extrêmement nombreux puisqu'on a atteint un pic à 1000 personnes. Donc on est toujours ravis de réunir autant de personnes. Les prochains lives, je pense qu'on va s'orienter sur un contenu réunion à distance, atelier à distance. Voilà, on est en train d'augmenter en fait, hein, la fréquence de nos webinaires puisque les temps s'y prêtent. Et donc vraisemblablement, on aura un live consacré donc à cette thématique de atelier réunion à distance, puisque je sais que c'est un sujet qui en ce moment intéresse énormément de personnes. On vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt et merci pour votre participation. Au revoir. Au revoir.